Un bureau régional, 8 points focaux pour les 8 départements de l'Ouest et 4 conseillers techniques issus, entre autres, des délégations régionales de la jeunesse, la santé, des sports et de l'éducation physique. C'est au total une vingtaine de responsables que le président du Comité national paralympique vient d'installer à Bafoussam avec une feuille de route. On ne peut plus clair. Ce comité régional est chargé d'organiser au plan local des compétitions parasportives afin de permettre de détecter des jeunes talents, des potentialités que nous allons prendre en charge, d'intégrer le parasport dans les disciplines retenues lors des Jeux FENASCO A et B et FENASU. Les défis sont importants et pour les relever, le tout premier président du comité régional paralympique de l'Ouest met la sensibilisation au cœur de son action. La promotion du sport pour personnes handicapées. Et il faut sensibiliser. Il faut descendre sur le terrain, travailler avec ardeur. Les nouveaux responsables du mouvement paralympique à l'Ouest peuvent d'ores et déjà compter sur le soutien de l'administration publique, représentant le gouverneur, le secrétaire général de ses services. Adré Epente-Taze a invité les opérateurs économiques de la région à se mettre à leur côté.